petite session invocation. Le but, là, on compte que un Mika. À moins que la C1 soit accessible rapidement. Enfin, je cherche pas forcément des constellations. Et après, on fera les invocations de Guillaume. Parce que la mise à jour se fait, c'est très long sur PC. Donc, je suis combien? Ouais, j'en avais fait un petit peu. Je suis 11 et le prochain 4 stars est garanti. Vu que c'est la flûte. Donc, je veux juste un Mika et après on voit pour la constellation. On est à 11 de pity. Donc là on est à 21 de pity. Ok, 21 de pity, une chance sur 3 d'avoir Mika. La quête du 4 stars, des fois c'est ce qu'il y a de pire. Surtout quand tu t'obtiens pas. J'ai constellation 1 milliard, non. Ça commence. Oh putain. J'arrive à 31. Je veux juste un Mika pour des lacunes. Non, 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 non. Je compte un. Oh putain. Ah, merci mon dieu. Je me suis pas fait un troll. Oh. Tu peux tellement te faire troll sur les 4 stars. Oh, c'est dingue. Après, il était au tout début. Je vais peut-être en chercher un de plus. Hein, en single. Il était vraiment au tout début. Mais moi, je l'ai. Je suis tranquille. Allez, on recherche un violet. Allez, voilà, c'était ça, on sait jamais, peut-être la C1. Po, 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 po. Alors, c'est la C1 ou la C2 qui est Gauthier, je sais plus. Enfin, Gauthier, qui est très intéressante. Ce qui est Gauthier, c'est la C6, hein, de toute façon. Qui augmente de 60% si ça n'a pas changé. 60% les dégâts crit, des dégâts physiques. Et, attends, c'est la C1 ou... Ok, la C1 augmente le heal. Bonsoir. Ok, Guillaume, t'es là. Tout sur chaîne E, jusqu'à Mika C6 en espérant. Comment on joue sur PC? Je sais pas jouer sur PC. Veux. Après, ce qu'il y a, c'est que le combo chaîne E avec que ce soit Ganyu ou Ayaka, c'est trop fort. C'est vraiment, ouais, je pense, dans mon top 2. Donc là, t'es 18 000 primogèmes. On balance pour la chaîne E et Mika. T'es à combien? Ah merde, ça ouvre le site. Merde, non, non, non. Qu'est-ce que ça fait? Non! Non, c'est bon, j'ai eu peur. Ah oui, t'es vraiment à constellation 1, ok. Par 10? On est bon, Guillaume. J'ai peur, c'est pas mon compte. Astrion, s'il faut. Chaîne E, c'est la bonne bannière. Vamos. Oh putain. Donc on veut un maximum de Mika et une chaîne E. N'importe quoi, ok. Moi je joue sur PlayStation d'habitude, j'ai pas l'habitude de l'interface PC. Donc Mika, ouais, un maximum, la C6, pour eux là, c'est incroyable. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eux là. Hein. Voilà. Je te porte la poisse, on se tape des Diona ici aussi. Mika est taillé pour être ce support de eux là. Il sort pas avec eux là. Beurré. Hein. Allez là. 20 pity. Pardon. Oui, je comprends pas non plus, tu m'étonnes. Guillaume, 20 pity. Guillaume, une chance sur deux. Guillaume, Guillaume. Guillaume, une chance sur deux. Bon. Mona me suit partout, j'en peux plus. Même sur le compte de Guillaume.
Tu l'as c'est combien? Ouais, tu l'as. Elle est pas nouvelle. Loul. Oh yeah. Mais ouais, Guillaume, je suis désolé. Bon, au moins, c'est une early, on peut se. Et puis, par contre, le 4 star, oh là là. Bon, le prochain doré, au moins, c'est garanti. Il faut du Mika, il faut du Mika. Du coup, merci pour le follow, Guillaume. N'est-ce pas, n'est-ce pas? C3 ou C4? Ah ouais. Après, la C4 est forte, hein. Ça donne 15% de tocrit après son ulti. À ceux qui vont taper derrière, c'est fort. Très fort avec, par exemple, mon Diluc qui a genre 51 de tocrit. Ça lui rajoute 15%. Mais c'est pas elle qu'on veut, oui. Je te comprends, hein. Je l'ai théoriquement C8, hein, Mona. Donc, alors que j'ai Diluc C0. Au moins un. La C6, après, c'est de la chance, hein. Parce que tu peux l'avoir 3 fois dans une multi ou pas l'avoir pendant 40 invoques. Tu l'as au moins, c'est déjà bien. Enfin, deuxième multi, non, je compte, oui, je compte les Mika, je compte pas les multi. Je m'en mêle les pinceaux. Oh! Casse les reins. Elle casse les reins. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Après, Mona, elle est tombée tôt. Si tu te fais Mona Head, vaut mieux que ce soit à 20 pity qu'à 75, quoi. Oh non, mais c'est bon, les vieux persos là. D'ailleurs, leur bannière est dégueulasse, hein. Ils te mettent des persos Sucrose, elle a depuis le début. Diona, elle est sortie très tôt. Je crois qu'elle est sortie, c'était pas genre au mois de novembre, enfin c'était genre 2-3 mois après la sortie du jeu. Alors qu'il y a plein de persos, il y a Layla, il y a Cookie, enfin il y a plein de persos qu'ils pourraient mettre. Cookie, je l'ai C1, Layla, je l'ai C1. Mais ah non, on va mettre Diona, que tout le monde a Constellation 6, même Diktat, c'est pour dire. Enfin, je sais même pas si Diktat la C6, mais. Putain. Importable. Attends, mais c'est early là. J'ai pas compté, mais on est pas genre à 50 là. Bon, par contre, tu te fais troll sur les 4 stars. Oh là. C'est un. Ah ouais? Ah, t'as pas la C6, Diktat. Autant pour moi. Mais c'est vrai que par rapport à moi, t'invoques très très peu. Donc j'ai pas forcément la même notion. Chaîne est là. Est-ce qu'il y a une dinguerie genre avec une deuxième chaîne cachée derrière? La réponse est non. Bon bah tu l'as. 32 pity là. Ouais, c'est vrai que j'y vais mollo là. Donc j'ai pas compté. Mais ouais, c'est tombé assez vite du coup. La mauvaise nouvelle c'est que tu te fais troll avec les Sucroses et les Diona. Ça aurait été que des Mika, tu l'aurais déjà C4 je crois. Donc je sais pas ce que tu veux faire Guillaume. Est-ce que tu es raisonnable? Parce que là du coup la C6 est loin. Vu que t'as pas eu de chance. La C6 est très très loin. Donc, je pense que le pharmacien t'intéresse pas. Mais quand même. La C6, elle est loin, elle est loin. Parce qu'attends, il est C0. Comment on regarde. Juste regarder qu'il n'y a pas de constellation en stock. Mais il est C0. Hein, le petit haut là. Oh, il est C0. La C6 est très très lointaine. Continue tous les primos, je garde les Astrions. Ok. Après, la C1 de Shenhe est très bien. T'as deux charges sur sa compétence. Ce qui lui permet de générer beaucoup plus de particules et d'appliquer beaucoup plus longtemps son effet ou les deux effets. Donc, il faudrait ouais, que tu l'aies au moins C2, quoi. La C2 serait. Non, mais attends, attends, attends! Guillaume! Pardon. Attends, là on a fait 60 invoques, il y a eu 3 dorés. Et c'est pas mon compte! J'ai envie de crever! Mais. C'est que tu l'as C1 du coup? Je sais que Tinari, tu l'as jamais trop joué, mais. What? La C1 de Tinari est très forte, je crois aussi. Ça rajoute 15% de tocrit sur ses tirs chargés, il me semble. C'est good. Sucrose qui nous casse les. Hein? On continue? C'est un du coup, ouais.
Non, mais d'habitude, je porte malheur, Guillaume, arrête. Hein. Là, c'est une exception. Si tu veux me confirmer que je continue, je préfère pas faire de bêtises comme il est pas en vocal, bon, pour le temps, ouais, continue, ok. Faudrait Mimica C2, même si bon. Ça, si, c'est mal barré. Là. À moins que tu l'aies trois fois dans une multi. Il faudrait au moins la C2, quoi. Ça rajoute un peu de dégâts physiques. Parce que la C2, je sais pas si elle. Parce qu'apparemment, le passif, c'est 3 fois maximum, donc 30% de dégâts supplémentaires. Mais est-ce que c'est genre tu commences avec une charge en plus, ou est-ce que ça peut mettre une charge en plus? Et donc monter à 4 cumuls. C'est ça, ça j'ai pas le. J'ai pas l'info. Ah. Parce que je sais pas si c'est juste pour avoir plus vite le bonus maximum, ou si ça augmente le bonus maximum. En fait, je suis pas sûr. Hein. C'est peut-être un peu moins OP que ce que je pensais. Bref. Il est C1. On continue. Ouais, je pense juste que t'as un cumul tout de suite. Je pense pas que ça te rajoute 4 cumuls. Bah voilà, Mika C2. Bah c'est bien. Si tu me dis si on continue, je préfère redemander, c'est pas mon compte. Mika C2, on est pas mal. On est pas mal, mais on est loin de la C6. Ouais, là, je redemande, hein. Je préfère redemander hein, plutôt que tu. On va y après ou tu regrettes. Un petit Mika. Oui, bah dis donc. Bah dis donc. Il est C3 là. Une petite Noël, ok. On sait pas ce qu'elle fait là. Elle est C6, ok. Au moins le prochain il est focus. Alors par contre j'ai pas compté mais la question c'est est-ce que tu veux Shenhe C1 ou est-ce que tu veux te garantir un autre 5 star? Non mais... Il est C4. Bah GG, c'est propre hein. J'ai pas regardé la C4, je sais pas trop ce qu'elle fait, si elle est bien ou pas. Mais déjà t'as la C3 donc ça booste, je sais pas si ça booste l'ulti ou la compétence. Je peux plus faire de multi, donc tu me diras ce que tu veux faire. Je vais juste regarder du coup. Je te laisserai le soin de les activer, mais comment on voit le. Je sais pas, je crois qu'il est C3. Hein. Non, C4 du coup. Ouais, c'est ça, il en a 4, il est C4. Lorsque l'état plume soigne un personnage. Ah, ça recharge son énergie. Ok. Je pense que ça peut être bien pour combler un peu peut-être. Un ulti qui coûte combien? 70, ouais. C'est pas 80, mais bon. Une multi en complétant? Alors attends, parce que du coup. Il faut que j'en rajoute une ou deux là. Attends, bah, on va faire dans l'autre sens. Putain, il y avait boutique. C'est pas exactement le même menu, JPP1. Donc. Non, qu'est-ce que je fais moi? Au secours! Donc là, t'en as 7. Donc je rajoute 3. Une dernière multi pour la forme. Allez, la dernière multi. C'est maintenant. Alors, j'ai pas compté les multis. Il n'y a pas de doré. T'as quand même eu 3 dorés. Après, t'as perdu tout. Ah, mais vas-y, casse les reins. Hein. Alors ce qu'il y a c'est qu'il faudra bien que tu prennes le temps de voir quel perso tu veux parce que là t'es en garantie et tu dois être à 60 de pitié, j'ai pas fait gaffe. Si on est à 60 ou proche des 70. Ouais les 4 stars, pas terrible hein. Oh mais elle est pas. D'accord. Ok. Bon, ben voilà. On est tout bon Guillaume? On a le petit Mika C4. On a la Shenhe, on a eu Mona et Tinari, donc plutôt correct, dirons-nous, malgré l'annonce C6. Mais bon,
Le problème, c'est que si Eola sort au prochain patch, ils vont pas remettre Mika, je pense. Mais si elle arrive dans 2-3 patchs, ce qui serait très long, parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas revenue. Ça va faire plus longtemps du coup que chez nous. Faudrait qu'ils le remettent avec elle. Enfin, que tu puisses retenter dans quelques patchs le Mika, quoi. Go du multi encore. Oh putain, mais il est fada. Deux multi. Go deux multi encore. Oui, diktat. Après, moi, j'ai la chance de la carte bancaire, donc ça va, ça peut compenser. Mais, ouais. Il y a Guillaume qui m'offre des casouas, des fois, mais voilà, quoi. Mais là, tu vas avoir Shen, non? Ah, non, pas encore. Ouais, on était peut-être qu'à 50, genre. J'ai envie de calmer. Il suffit que diktat dise que j'ai de la chance, et voilà. Aïe, 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 aïe. Et après, il y a peut-être un... Deuxième 4 star caché derrière. Parce qu'elle est tombée très tôt. Ah, par contre, elle était basse constellation. Elle est toujours pas. D'accord. Bon, allez, la dernière. On doit être à 70 du coup. Je sais pas si t'as compté. Flûte. Flûte alors! Ouais. Dommage. Avec un peu de chance, hein, tu l'aurais C6. Tu aurais été 60% de dégâts crit pour ta Eola. Oh! Il est C5. Le pire truc! Il est C5 et t'es au doré. Petit pépé. Hein. Oh là là là. Parce que l'historique, il est pas en temps réel. Mais oh, c'est vraiment des gros trolls. Hein. Petit pépé. Hein. Il est C5. En multi ou en single? Genre jusqu'au prochain 4 stars? Ou je refais une multi? Parce qu'avec de la chance, tu fais une en multi. Eh bien. Bon, j'ai l'impression que Shenmue, elle te dérange pas. Allez, faut qu'il tombe là. Là, je pense que la dorée arrive. Hein. J'ai pas. Ouais, on est dedans, on est dedans. Il faut juste le petit Mika, quoi. Et après, t'es reparti pour des mois d'économie. Chaîne océan, putain. Oh là là là. Ah, voilà. Pépé. Hein. Oh là là, Guillaume. C'est fait. Mika C6, faudra que tu contestes un jour à l'occasion avec nos persos. Quand tu l'auras stuff, tout ça. Et même ta chaîne, je sais pas si tu l'as un peu préparé. Je regarde juste ce que t'as en armes. Hein. Je vais pas les truffler plus que ça, mais juste. Parce qu'il lui faut une très bonne attaque de base, donc. Y a ça, mais bon, c'est du taux crit sur elle. C'est bien, elle fera des dégâts, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Encore que le passif est ok, mais c'est mieux sur un DPS. Après, t'as la lance d'azur, mais tu l'as pas. Ah, c'est dommage, je voulais voir si tu l'avais. C'est la série comme ça, là. Elle est très forte sur elle aussi. Parce que t'as une bonne attaque de base et t'as de la recharge, donc c'est très bien. Sinon, ouais, en lance. C'est ça, moi j'utilise ça. En plus, elle est raffinement 4. Lance des millilitres, c'est ok. Voilà. La mienne, c'est ce qu'elle a. Ce qui est un peu dommage, ce qui est un peu chiant par contre, c'est qu'il y a le passif qui correspond qu'au personnage de Liyue. Alors elle fait partie de Liyue, donc ça s'active pour elle. Mais pour chaque perso, tu vois, tu auras un bonus d'attaque de 10%. Parce que le bonus de dégâts qu'elle va donner à ses collègues Cryo, ça dépend du coup de son attaque à elle. Donc plus elle aura d'attaque, meilleur support elle sera. Voilà. Donc si tu sais pas quoi mettre, c'est très bien ça. Si t'as pas d'arme 5 stars à mettre. Je sors de la réunion. Oula. Bon, écoutez, de toute façon, on va faire la petite conclusion. GG Guillaume! T'as de quoi t'amuser, c'est bien. Voilà. Donc, c'était la session Invoque de Guillaume. See you next time. Ciao, ciao.